Salut, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est Twinnie. Bonsoir, c'est Ekti. Donc là, pour notre deuxième partie de notre débat et du bilan donc des localisations de jeux vidéo en France. Donc là, on a eu un débat surtout là sur les RPG dans la première partie. On parlait des jeux qui étaient traduits. Est-ce que c'était justifié ou pas et machin. Donc là, ouais, tu veux dire. Ouais, j'ai juste un truc pour si tu veux conclure sur un RPG. Il y a Shikoden 5 qui a été traduit et qui n'a pas marché, comme Okami. Il n'a pas marché parce qu'il était vendu genre. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'a pas marché parce qu'il était vendu chez nous. Non, mais il y a surtout le fait que le jeu a été vendu genre en 5000 exemplaires. Aussi, à la base, ils savaient. Non, ils ont relancé. Bah, oui, peut-être genre avec 2000 en plus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu il est introuvable, tu vois. C'était surtout un jeu fait pour faire plaisir, on va dire, aux fans de RPG, moi je pense. Parce qu'ils l'ont vendu à 30€ en très peu d'exemplaires. Donc je pense que là, le problème est différent. Mais au moins, on peut considérer qu'ils ont fait genre un bel effort parce qu'ils l'ont traduit. C'était pas, or même si c'est Konami derrière et tout, ils ont quand même fait l'effort de traduire, contrairement à Square Enix qui ont quand même les couilles en or, on peut le dire, donc ils ont quand même plus de thunes et eux ils sont beaucoup plus frileux genre à lancer un jeu chez nous sur Xbox 360, donc Infinite Undiscovery en anglais. Donc moi j'en démordrais pas, hein, ça me ferait toujours chier. Aussi un truc qui est assez relou quand on voit par exemple Infinite Discovery, c'est quand même de se dire que Gurumin sur PSP a été traduit chez nous, alors que c'est typiquement le genre de jeu underground qu'on sait très bien qu'il va pas marcher en plus sur PSP. Donc une console qui est pas très apte à ce genre de jeu, où les gens on sait très bien qu'ils vont pas l'acheter, en plus il n'y a pas eu de campagne de pub. Il a été traduit en français, donc avec des sous-titres français, et avec des doublages en français, donc des doublages en français sur PSP. Les mecs ont quand même fait un effort pour un jeu underground, vraiment pas connu, où personne le connaît en plus. Voilà, je trouve vraiment que c'est un bel effort, et je pense que tous les gens qui nous écoutent devraient prendre exemple sur ce jeu et traduire les jeux. Surtout, ouais, exactement, à l'exemple de Shikoden, même si Shikoden 5 c'est on va dire, un peu plus gros, c'est chez nous, tu vois, c'est encore rien, tu vois. Bah, Gurumin, comme Shikoden 5, ils ont fait l'effort de le traduire. Alors, même si dans Shikoden 5, t'avais des petites erreurs de traduction à la con, genre, il y avait marqué la femme mystérieuse avec un i, tu vois, il y avait des vieilles fautes de merde. C'est drôle. C'était défense avec un C, surtout que ça se voyait tout le temps, ces phases. Défense! C'est horrible! Enfin, tu vois ça, en bon français, tu fais, oh là là, mon dieu! Comme des merdes, mais au moins ils ont fait l'effort. C'est des vaches anglaises qu'on parlait là. Oh mon dieu! Comment revenir, tu vois? Bon, t'as aussi là dernièrement, il y a Dual Arm 5 qui est sorti en français. Pareil, encore une fois, donc c'est pour ça que j'estime que l'excuse sur Persona 3, elle, en plus, c'est comme un jeu qui a quand même assez marché en fin de compte. En plus, Persona 3 et Dual Arm 5, c'était un jeu qui a pas eu beaucoup de campagne de pub. Pareil, je crois qu'il y a plus beaucoup d'exemplaires. Il y a eu une version collector foireuse là, de merde. 10e anniversaire à la con. Parce qu'en France, on se récolte tout le temps les versions collector au rabais, tu vois. Des collecteurs de merde, genre, c'est ce qui est un peu triste, tu vois. Ah bon, tu vois, bon, après, nous on a envie de pleurer parce qu'on se dit, oh, les Américains, les Japonais, ils ont des super trucs collecteurs de ouf avec le CD de ouf, le artbook de malade et puis le super coffret. Et nous on se tape, parce que je sais que la boîte collector de Wild Arms 5, c'est un truc en carton de merde, trop foireux, avec ils ont juste rajouté en dessous l'artbook qui est sympa, tu vois, mais bon. Donc Wild Arms 5 c'était vraiment louable. Bon, après ils ont fait une traduction un peu chelou, c'est ce que des fois ils se sont permis quelques petites libertés, une ou deux, c'est parce qu'il y a assez, parce que les traducteurs ils sont tapés des petits délires. Mais bon, ça c'est très rare, hein. C'est dans le jeu, genre ils ont d'avoir 2-3. Hein. Donc le mec il dirait, oh ouais, par contre c'est abusé, alors là je lui dirais, bon, attends, c'est bon, ils ont pas non plus chié tout. Au moins ils ont fait l'effort, tu vois, de le traduire, c'est très bien. Non, t'as pas mal, et c'est puis genre en RPG il est pas mal. Pour Star Ocean pareil, genre Star Ocean 2 était en français je crois, ouais. Chez nous il est sorti en français. Oui, je confirme. Donc Star Ocean 2 est en français, le 3 est en anglais. Voilà, et le 4 par contre dernièrement on a appris que le 4 serait localisé chez nous en français. Donc ça bon, par contre bon, on sait pas s'il y aura les doublages ou si c'est que le sous-titre. Déjà c'est rien que le sous-titre français, c'est bien. Donc Star Ocean 4, on peut espérer un putain de doublage. Justement c'est qui me fait penser qu'il y a Infinite Discovery, parce que Star Ocean Last Hope et Infinite Discovery c'est deux jeux tri-ace. On va dire, moi j'ai l'impression qu'Infinite Discovery était en fait un jeu laboratoire en fait. Tu vois, c'est genre ils le testent et c'est genre ils apprennent à maîtriser la Xbox. Et voilà, et après ils ont. Et leur vrai jeu
et Tester 104 en fait. Donc ils se sont dit, bon, on s'en fout de ce jeu-là, on s'en en anglais, on s'en bat les couilles. Et c'est pour ça que Star Ocean, pour eux, ils misent tout, à mon avis, sur Star Ocean 4. C'est pour ça qu'ils veulent le localiser, que le jeu est beaucoup plus beau, etc. Oui, je voulais juste dire un petit coup de gueule contre Star Ocean 4, justement, parce que il était prévu exclusivement sur 360 et finalement il passe sur PS3. C'était juste un coup de gueule qui sert à rien. Bah, ça, je sais pas si c'est encore actuel parce que. Non, c'est bon, Mugi. Non. Donc, sinon. Non, bah on peut dire. Sinon, bah on n'est pas obligé de parler aussi que des localisations. Il y a aussi des localisations très bonnes. Donc, on peut parler en France. Il y a eu des putains de bonnes localisations. Il y a eu Soul Reaver. Je pense à Soul Reaver avec le doublage français. Allez, je crois même que ce qui me faisait marrer avec le doublage de Soul Reaver, c'est que t'avais deux voix connues. Il me semble que Raziel, c'était le doubleur français de Kevin Costner. Je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression. Et la voix de l'ancien. Dans Soul Reaver 1, c'est la voix du mec, c'est qui double les trucs. Le plus grand chef-d'œuvre de Walt Disney. C'est des trucs, c'est les bandes annonces. Et ben, c'est ce qu'au début de Soul Reaver, le mec qui fait oh, Raziel, tu es valeureux. Et c'est la même voix, c'est la voix du mec qui fait les bandes annonces, des bandes annonces Disney, c'est des films Disney. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant à constater, c'est dans Soul Reaver 2, ben, la voix de l'ancien, c'est en fait, c'est la voix de Kane. En fait, c'est parce qu'ils ont interverti des voix. Et donc le qualité de doublage de Soul Reaver était mortel. C'est un truc. Et, ouais. Hein? Bah heureusement qu'il y a Ekti parce que tu te sentirais tout seul. Ouais, mais vous pouvez prendre le micro. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut parler d'autre de? Ah oui. Et vous parlez? Oui, parce qu'en fait le truc c'est. Oui, en fait le truc c'est que quand je parle. Oui, quand tu parles, tu dis tu en regardant. Je parle avec qui? Alors du coup, l'aspi et moi sans rebuter. C'est vraiment triste. Non, mais c'est quand on a des choses à dire, on prend le micro. D'ailleurs, au niveau des localisations qui font chier, il y a les jeux qui sortent chez nous en 50 Hz. Et ça me fait vraiment chier. Par exemple, FF10, c'était du gros foutage de gueule. On avait le droit à un Tidus lent, écrasé, et c'était assez relou. Il y avait une grosse Yuna. C'est Yuna. Je suis grosse et tu invoqueur. Voilà. D'ailleurs, ceux qui se moquaient du cosplay de la grosse Yuna sur internet, en fait, la meuf fait un cosplay de Yuna en 50 Hz. Voilà, ça ne sert à rien de se moquer d'elle. Elle a juste fait un cosplay français, quoi. Français de Yuna française. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'elle était moche, Yuna, en fait. Je comprends mieux. Saloperie de 50 Hz. Yuna, non, elle était jolie. Enfin, tu parles de laquelle? De la vraie ou celle du cosplay? Bah, de la vraie? Non, la vraie, elle est jolie. Non, on va pas rentrer là-dedans. Non. Attends. Yuna, moi j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec le débat, donc on va s'arrêter là. Nous sommes hors sujet. Donc, ouais, sinon pour revenir, effectivement, comme l'Aspi a dit, dans la même période, enfin dans la même. Parce que FF10 chez nous a sorti en mai 2002, et quelques mois avant, genre en octobre-novembre, t'avais Devil May Cry 1. Qui est sorti en 50 Hz, et ça c'est un plus gros foutage de gueule, parce que à la rigueur FF10 c'est moins grave parce que c'est un RPG, donc un RPG c'est un genre de jeu un peu plus lent, c'est moins bon, même si c'est moins beau parce qu'on peut moins admirer, enfin c'est parce que les scènes cinématiques sont moins belles. En revanche, pour Devil May Cry 1, c'était beaucoup plus grave parce que lorsqu'on a joué à la version japonaise ou à la version US, la version française de Devil May Cry 1, elle est vraiment à chier, parce que là on a vraiment affaire à un jeu d'action, c'est genre un beat'em all, genre survitaminé, genre on joue Dante, c'est qui est super rapide et tout. Et en version 50 Hz, on a un Dante qui est tout lent, qui prend son gun et tu oh, je vais te tuer, le mort vivant. C'était en bullet time constant, c'était relou. Mais les foutages de gueule 50 Hz, on en avait eu dès la Mega Drive avec Sonic, où là on nous a directement pris pour des cons dès 90. Non, vous êtes des connards. Hop là, on vous fout en 50 Hz. C'était assez relou, quoi. Tu parlais du fait que les problèmes, c'est que chez nous, il y a eu le problème des téléviseurs 50 Hz, etc. Voilà, bah on est passé de NTSC, CCAM, PAL, tout ça, c'était la galère pour les éditeurs de faire ça. Donc on a eu droit aussi aux 50 Hz optimisés, donc par exemple Kingdom Hearts. Qui était dans 50 Hz optimisé, c'est pas mal, c'est quand même quelque chose de bien parce qu'on a quand même droit à la vitesse et tout ça. Donc on peut dire non, ils vont vite. Et après, les Américains ils font oh, mais c'est comme ça chez nous depuis des années. Après, nous on pleure. Non, on a des jeux rapides comme les Américains et les Japonais. Oh, tu dis pas de mal des Américains parce que sans eux, hein. Fort, hein. Sans eux, hein. Donc Bruce Willis qui nous a sauvés, hein. Et plus d'une fois, genre le météore, hein. Qui c'est qui est-ce qui. Enfin, qui c'est qui a niqué le météore.
Et en plus, ils sont trop forts, les Américains, parce que chez eux, ils parlent anglais, et quand ça arrive chez nous, ils parlent français, hein, dans les films, alors attention. Ouais. Ah oui, en plus, c'est vrai. Ils ont souvent les mêmes voix aussi. Il y a souvent, je sais, genre 50 doubleurs, c'est toujours les mêmes qui tournent. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Et sinon, pour revenir à ce que disait Laspi, moi, ce que je pense à propos de 50 Hz, 60 Hz, c'est que j'en ai rien à foutre parce que normalement, t'as pas à pouvoir comparer une version japonaise américaine, c'est illégal d'importer, point final. Enfin, moi, j'estime que c'est comme ça, c'est tout. Bah, moi, j'estime pas du tout parce qu'à la base, il y a quand même un jeu à la base qui a été fait. Donc j'estime, je vois pas pourquoi est-ce que dans le monde, enfin, est-ce qu'on serait à la cinquième roue du carrosse, et qu'on serait plus pour des cons et qu'on aurait une version rabais, alors qu'aujourd'hui, on est en 2008. C'était juste sur un point où je suis d'accord, mais c'est en fait, je voulais dire ça, j'ai pas vraiment fini ma phrase, je l'ai arrêté en plein milieu de mon cerveau. C'est en fait, ouais, je suis un peu con. C'est en fait, pour les RPG, je vois pas l'utilité. Par contre, pour un jeu comme Devil May Cry ou un jeu de caisse, ou c'est hyper utile, ouais. Pour les RPG, tu prends Star Ocean 150 Hz, t'as mal, hein. Ouais, exactement. Ouais, parce que c'est Star Ocean, c'est un jeu où les combats sont en temps réel, tu sais, où il y a des effets lumineux malades. Quoi ? Y a personne qui joue à Star Ocean. Oh, oh le gros bâtard ! Oh, tu vas te faire défendre, rentre chez toi ! Rentre dans ton pays ! Je vais rentrer ! Rentre aux États-Unis ! Ouais, quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Rentre aux États-Unis ! Mais c'est pas chez moi les États-Unis ! Si, c'est chez toi ! Mais non, c'est pas chez moi ! Sors ton burger, on t'a vu ! Donc, ouais. Non, sinon, ouais, au niveau du 50 Hz, pour des RPG, je trouve que ça peut être important. Par exemple, FF10, écrasé, c'est moche, ça aurait été mieux en vraie taille normale, pas écrasé. Parce que l'écrasement, moi, ça me gêne. Après, c'est peut-être du chipotage de merde, mais moi, je trouve que c'est important, personnellement. Déjà, voir un personnage qui court à deux tensions, c'est casse-couille, quoi. Et peut-être que les gens là qui nous voient, ils se disent « Bah moi, ça m'a pas gêné, jouer FF10 en 50 Hz, bah... » Ouais, comme non, mais... moi, Non, parce que essayez vraiment de voir... Non mais genre essayez vraiment de voir la version US. Il y a vraiment une différence et c'est une perte graphique et de vitesse et tu te dis putain fait chier quand même. Je trouve ça dégueulasse. Non mais c'est bon maintenant avec les nouvelles générations de consoles, les nouvelles télé, on aura plus de problèmes je pense. Mogi, ouais. On peut parler aussi vite fait de d'autres jeux. Bah là chez nous il y a qui sortent en anglais. T'as Valkyria Chronicle. Donc, qui sort en anglais. Bah, si, là, il vient de sortir chez nous. Il est en anglais, et bah, ça, on le savait, nous, parce que déjà, à la Japan Expo, il y avait le mec de Sega qui nous avait dit non, il sortira en anglais. Nous, on a fait quoi ? Il dit oh, bah, il sort au moins en anglais. Si, il m'a répondu ça. Je dis ah oui, mais ça a chié. C'est bon, on parle en français. Je trouve quand même ça un peu con de sortir un jeu en anglais sur une console qui est dézonée, alors qu'au moment où il sort chez nous en neuf, donc à 60-70 euros, il est déjà disponible en occasion en US. Vu que la console est dézonée, autant se faire l'importer. Enfin, là, je le trouve un peu con quand même de faire ça. C'est clair que là, il faut être vraiment très con. Non, mais en US, t'as un mauvais packaging. Généralement, les boîtes, elles sont moches. Alors ouais, c'est vrai qu'en US, souvent, les Américains, ils se tapent des jaquettes toutes moches, souvent, genre ICO, etc. Ouais, mais des fois, sur des jeux américains, tu peux économiser plus de 30 euros. Je préfère économiser plus de 30 euros et peut-être avoir une jaquette moche plutôt que payer cher pour cautionner un truc de merde où ils ne traduisent même pas mon jeu. Voilà, mais vous retrouverez tout ça dans la seconde partie. Eh oui. La troisième partie, plutôt.